Bonjour. Il fallait que j'appuie sur le bouton, bien sûr. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais dire bonjour aux personnes qui sont là. Daniel Lima est là, bonjour. Evelyne est avec nous, Stardust est là aussi. Vouslat est là. Andrea est avec nous, bonjour. Luciana nous dit bonjour aussi. Qui est-ce qu'il y a d'autre? Yossi est là. Hen70 est avec nous. Alors, Abdoulaye est avec nous aussi. Qui est-ce qu'il y a? Cosmina qui est là aussi. Je regarde, ça discute. Felipe est avec nous aussi. Roman est là. Olu Wadara est avec nous aussi. Lynn est là. Qui est-ce qu'il y a d'autre? Sundar nous rejoint. Melissa Madrid. Hilary est là aussi. Annabelle est avec nous. Qui est-ce qu'il y a d'autre? Stella. Arpan, Victoria, Jacques, coucou et Neha. J'espère que vous allez bien encore une fois et puis on va commencer. Aujourd'hui, ça va être un peu jazzy comme musique. Alors, Marcus nous rejoint, bonjour à vous. Mob Prog, un nom très intéressant, nous rejoint aussi, bonjour. La chanson du jour, c'est une chanson que j'ai écoutée un petit peu toute la journée aujourd'hui. C'est une chanson d'Étienne Dao qui s'appelle Boulevard des Capucines, qui est une chanson vraiment, vraiment intéressante. Une chanson sur le pardon, c'est-à-dire l'histoire d'un père qui demande pardon à son fils pour des raisons qui sont assez particulières. Mais bon, je vous laisse le plaisir de découvrir la chanson si vous voulez. Et le documentaire, je me suis dit, je vais faire quelque chose de cohérent. Un documentaire très très intéressant sur cet artiste justement qui s'appelle Étienne Dao. Si vous le connaissez, ça peut vous intéresser. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le découvrir. C'est vraiment intéressant. C'est un personnage qui est assez important dans la musique contemporaine française. Donc si vous voulez le découvrir, c'est l'occasion. Je crois que le documentaire, il doit être sur YouTube. Donc je pense que vous pouvez le trouver. Et vous pourrez comme ça découvrir cet artiste qui, je pense, ça doit faire 40 ans qu'il fait des chansons et qui est toujours très 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 populaire en France. Voilà. Alors, on n'oublie pas de cliquer, et le thème des photos, eh bien, c'est les câlins. Aujourd'hui, c'est les câlins. Allez, la question du jour, doit-on tout pardonner, justement parce que c'est un petit peu le thème de cette chanson, le pardon, et je me suis posé la question, mais finalement, est-ce qu'on doit tout pardonner? Comme d'habitude, une phrase pour me répondre, merci. Alors attendez, je rattrape. Benter nous rejoint. Bonjour Benter. Chris Mo qui dit qu'il aime le jazz. Alors on va mettre du jazz un peu classique et différent. Sophia qui nous rejoint aussi. Melissa Madrid qui dit que c'est bien. Cheryline qui nous rejoint. Spiritual Weapons aussi. Noura qui est là. Denora qui nous rejoint. Ashwati aussi. Hero King aussi. Tout le monde est là, j'ai l'impression.
Alors, c'est Marcus qui commence et qui nous dit « On doit tout pardonner car la vie est trop courte !» Luciana Oribe qui dit « Ça dépend !» Attention, Luciana, pas de S à la fin. Yossi qui nous dit « Parfois oui, parfois non !» Ah, j'adore cette réponse. Alors là, j'adore cette réponse de Yossi. On sent que beaucoup de prudence dans la réponse quand même. Mercurialman qui nous dit oui, mais c'est parfois très difficile. Olga Ruiz qui nous rejoint. Bonsoir Olga ou bonjour. Andrea qui dit ça dépend. James Reed qui dit bonjour. Bonjour James, participez, répondez à la question s'il vous plaît. Ou si vous êtes motivé, bien sûr. Hero King qui dit pardonnez, mais pas oublié, Sundar qui dit ça dépend. Lynn qui dit oui, toujours, c'est le meilleur. Luciana qui dit ça dépend, à vous continuer. En théorie, oui, mais c'est difficile, on doit essayer. Et Kouvanich qui nous dit c'est une question difficile à répondre. Pas de problème, pas de problème. Marcel qui nous dit bonjour de Marrakech. Bonjour Marcel, participez, répondez à la question ou participez aux autres exercices qui vont arriver après. Denora, nous devrions essayer. Annabelle qui dit définitivement pour une bonne santé. Cheryline qui dit non, ça dépend vraiment. Vous devez évaluer si cela en vaut la peine. Sophia X qui dit ça dépend. Ça dépend vraiment de la situation et qui tu vas pardonner. Il y a des gens qui répètent la même erreur. Shahi qui nous dit bonjour, bonjour Shahi, participez. Vous, cela, ça dépend. À mon avis, on ne peut pas tout pardonner, même si les experts le recommande. Soukania qui nous rejoint, bonjour. Et puis Olga qui dit, je dois pardonner pour mon bien. Est-ce que c'est ça? Allez, on y va, merci beaucoup. Alors n'oubliez pas que hein, je vais mettre des chats de temps en temps pour attirer des clics likes. Hein, je pense que le chat en général attire le like. Chrismo qui dit oui, on doit tout pardonner, mais nous n'oublions pas. C'est ça en fait, mémoire d'éléphant. Alors attendez, Yulia qui est là et qui dit ce n'est pas si simple. Il faut être sage peut-être, est-ce que c'est ça? Alors ça continue, attendez, parce que Cosmina qui nous dit non, il y a des choses que nous devons pardonner, mais il y a des choses pour lesquelles il n'y a pas de pardon. On ne va pas faire une liste, je pense. Peut-être que ce n'est pas une réponse qui s'encadre dans la vision chrétienne, mais c'est comme ça que je crois. Ah bah oui, mais on n'est pas obligé de respecter les choses. Ah bah attendez, ça continue. Bon bah on doit revenir en arrière parce que là, les réponses continuent à arriver. Stardust, oui, je suis d'avis qu'il n'est pas nécessaire de tout pardonner. Parfois, il y a des choses impardonnables et chacun devrait suivre... chacun devrait survivre avant les conséquences de ses actes et sur les autres. Et donc, alors, vous continuez, bien sûr, on peut donner une seconde chance à chacun, mais on n'oubliera pas et cela deviendra tôt ou tard un problème. Oui, moi, je suis d'accord avec vous aussi. Mélissa Madrid, tout d'abord, on doit comprendre que nous ne sommes toujours l'objet principal de toutes les offenses. Donc, il faut laisser tomber de temps en temps. Eh oui, prendre de la distance, c'est ça. Roman qui dit, je pense qu'il est important de savoir que ce que nous voudrions oublier, je veux dire parfois qu'il est difficile d'oublier quelque chose qui est très spécial pour nous. Oui, ça c'est clair qu'il y a des choses qu'on... On ne pourra jamais, jamais oublier. Suzy qui nous dit bonjour, bonjour. On essaye, mais c'est difficile et on doit quand même oublier. Bon, allez, merci. Alors, vous le savez, hein, la vidéo du jour, eh bien, la vidéo du jour, c'est uniquement pour attirer du clic facile.
C'est pour vous faire cliquer, bien sûr, et surtout pour vous faire écrire une petite phrase. Et donc, bien sûr, c'est que du chat maintenant. On a compris que c'est comme ça que ça marche. Une petite phrase pour décrire ou commenter cette vidéo. Alors, Ice Cube qui nous rejoint, miaou, miaou, Ice Cube, parce que, comme vous voyez, un petit chat, histoire d'attirer la sympathie des gens. Alors, j'attends vos phrases, parce que pour l'instant, ça n'arrive pas. Renato Silva qui nous dit, effectivement, le chat joue. Ah, il y a un côté un peu stressant, mais je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste des chats. Spiritual Weapon qui nous dit un chaton mignon qui joue, effectivement. Sophia qui nous dit le chat a une personnage. Oui, est-ce que une personnalité peut-être très curieuse, c'est ça que vous voulez dire? Annabelle qui dit mon cours de boxe. C'est vrai. Ah, peut-être que c'est ça finalement, c'est juste pour se relaxer qu'il fait ça. Stardust, travailler c'est très difficile quand un joli petit chat veut travailler aussi. Eh oui, Shahi qui dit j'aime le chat qui joue avec moi. Julia qui dit ce chat va vous créer un problème technique, c'est sûr. Non, j'espère que non, logiquement ça fonctionne, je pense. Andrea qui nous dit les instructions pour prendre le choc. Mais Andrea, lui, il préfère les chiens. Et c'est vrai que moi, je suis un peu comme Andrea, je dois dire. Mercurial qui dit « Cela me rappelle quand j'étais bébé et que la vie était amusante. » Oui. Et c'est vrai, c'est simple. Quand c'est aussi simple que ça, peut-être que ça devrait toujours rester aussi simple, finalement. Ensuite, je regarde. Alors, attendez, Olga qui nous dit « Le chaton joue avec du papier. » Oui, on dirait du scotch, mais c'est vrai que c'est peut-être du papier. Et Hero King qui dit « Avec rien, on s'amuse. » Et ça, c'est peut-être la moralité. Ice Cubes, mon sixième sens me dit que Vincent aime plus les chats que les chiens. Non ! Non, mais je sais que les chats sont plus populaires en général. Vous avez dit que vous aimiez plus les chats tous. Donc moi, je préfère les chiens, personnellement. C'est plus mon truc. Luciana, c'est un bon exercice à faire, même pendant le confinement. Oui. Mettre juste un scotch et puis faire comme ça. C'est peut-être la solution, finalement, pour se relaxer. Vouslat qui nous dit, c'est un chaton heureux et mignon. Soukania qui nous dit la bêtise du chat mignon. Lynn qui nous dit, un chaton qui est très heureux. C'est vrai qu'il a l'air très, très heureux. Yossi qui nous dit, les chats aiment jouer avec tout ce qui bouge. Eh oui, c'est vrai. Et hop, hop, des petits coups de patte. Victoria qui nous dit, le chat s'entraîne à combattre son propriétaire. C'est possible. Et après, il va le griffer. Cosmina qui nous dit, un chat qui joue avec une bobine de fil ou avec une pelote de laine. Ouais. Hen qui nous dit, Hen 70, un chat curieux. Denora qui dit, tu connais comment m'occuper. C'est peut-être ça finalement, hein, pas besoin de grand chose. Hilary qui dit, nous ne comprenons pas ce qui est dangereux quand nous nous amusons. C'est vrai que c'est un fil électrique quand même, c'est un fil électrique. James Reed qui dit « Je pense que le chat est très heureux avec pas grand chose ». Eh bien c'est vrai, merci. Allez, c'est comme ça qu'on parle. Comme vous le savez, c'est comme ça qu'on parle. Eh bien, c'est la possibilité de découvrir le français familier ou très familier. Mais comme je vous le dis à chaque fois, attention, attention au contexte et au
personne. N'utilisez pas toutes ces expressions avec tout le monde. Ça pourrait choquer les gens. Allez, si on commence avec la première chose. La première chose, c'est un ou une cassos ou cassos. Ça dépend comment on le prononce. Michael Oliveras nous rejoint. Bonjour. Un cassos ou une cassos, ou un cassos et une cassos, ça veut dire un cas social. Cas social, cas sos. Ou une personne qui a des difficultés socio-économiques. Quelqu'un qui a des problèmes d'argent et quelqu'un qui a du mal à s'insérer dans la société. Exemple, dans ce quartier, il n'y a que des cassos qui y habitent. Dans ce quartier, il n'y a que des personnes qui ont des problèmes socio-économiques qui habitent là. Voilà. Allez, s'il vous plaît, écrivez-moi une phrase, un petit exemple avec un ou une cassos. Allez-y. Alors, Hima Bindu nous rejoint, bonjour, et Yann Tsu nous rejoint aussi, Anna Alborès aussi, bonjour, bonjour. J'avais pas vu ça, Cosmina. Cosmina, le plus intéressant, c'était le livre À côté du chat, écrit par un auteur dont le nom se finissait en Nine. C'était peut-être Lénine. On ne sait pas. On ne sait pas. J'ai vu un documentaire très, très, très intéressant. Je ne sais plus si c'était sur France Télévisions ou sur Arte. Concernant. C'était avec des images d'archives colorisées concernant la révolution de 17, et c'était vraiment, vraiment très intéressant. Alors, Ella qui nous dit bonjour, très bien. Alors, Julia qui dit, est-ce que c'est humiliant d'appeler quelqu'un un cassos? C'est pas sympathique, bien sûr, c'est pas sympathique, mais comme beaucoup de choses, quand on parle de français familier, c'est pas très, très sympathique d'utiliser certaines expressions, non. Andrea, nous devons aider les cassos. Soukania qui dit, les cassos ne se trouvent pas à l'aise socialement, d'accord. Ensuite, Damodar qui nous dit, pouvez-vous expliquer le verbe emmener? Ça n'est pas l'exercice, Damodar, voyons. Hilary qui dit je ne veux pas de cassos. Très bien. Luciana Moribé qui dit à cause de la pandémie, il y aurait beaucoup plus de cassos dans tout le monde. Et ça, c'est vrai. C'est vrai que ça touche tous les pays, je pense. Sundar, pendant le confinement du coronavirus, beaucoup de personnes ont un problème ou deviennent des cassos, on pourrait dire. Des personnes qui ont des difficultés socio-économiques. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui écrivent? Je vous laisse peut-être une petite seconde encore. Alors, Mélissa qui nous dit j'ai dépensé beaucoup d'argent en décembre, je ne veux pas devenir une cassos. Roman qui nous dit ce sont de nombreuses personnes dans le monde qui ont des problèmes vraiment économiques, donc qui sont des cassos. Hiro King qui dit tout le monde n'est pas cassos par plaisir. Ben non. Yossi, je me suis perdu avec ce mot. C'est pas grave, vous pourrez vous rattraper sur le prochain mot, ne vous inquiétez pas Yossi, on en a 5 aujourd'hui. Sophia X, je ne sais pas quelle est la raison des gens, je ne sais pas quelle est la raison pour que les gens deviennent cassos, peut-être l'environnement qui est grandissant. Oui, la situation avec le Covid, hein, c'est un petit peu aussi, ça n'arrange pas les choses. Renato, dans mon quartier, il y a des cassos qui font de traitement au bureau pour consommer des drogues.
Alors, le deuxième, eh bien, c'est un classique, c'est Carouf. Alors, Carouf, qu'est-ce que ça veut dire? À l'origine, eh bien, c'est tout simplement pour parler de cette chaîne de supermarché Carrefour. En général, c'est pour parler de Carrefour ou c'est pour parler d'un supermarché. Donc, Carouf, un exemple, on va aller à Carouf pour s'acheter de la bibine. On va aller à Carrefour ou dans un supermarché pour s'acheter de la bière. On avait déjà vu ça, souvenez-vous, la bibine, c'est de la bière. On va aller à Carrefour pour s'acheter de la bibine, on va aller au supermarché pour s'acheter de la bière. S'il vous plaît, écrivez-moi une petite phrase avec Carrefour. Alors, Anne-Vicky nous rejoint. Bonjour, bonjour. Vous pouvez participer. Attendez le prochain mot si vous voulez. Alors, je regarde Sundar qui dit « Le Carrefour est un peu loin de chez moi. » Très bien. Andrea qui dit « Je vais au Carrefour quand il fait trop chaud l'été. » Bah oui, parce que il y a la clim. Stardust, aller au Carrefour et y acheter du chocolat. Bah, si vous voulez. Si vous voulez, c'est possible. Anna qui dit « J'aime aller au Carrefour. » Hero King qui nous dit « La bibine de Carrefour. » N'est pas ouf. Oh! Alors là, je dois dire qu'Hero King, il a envie de faire rimer les choses aujourd'hui et ça, c'est chouette. Yann Arte qui nous dit bonjour. Akanksha qui nous dit le Carrefour est toujours bondé dans mon pays. Roman qui nous dit ici, nous avons beaucoup de grands supermarchés ou de Carrefour où j'avais l'habitude de laisser passer mon personnel quotidien à partir de là. Alors là, je ne suis pas sûr d'avoir compris. Et Kouvanich, il y a beaucoup de gens au Carrefour. Mohamed Bodhi qui nous dit bonjour, bonjour. Anna Kobi qui dit faut que j'aille à Carrefour. Ella qui dit dans le Carrefour, il y a 9 baguettes. Très bien. Ou des nouvelles baguettes. Je ne sais, je suis pas sûr d'avoir compris le neveu. Hillary qui nous dit « Je ne dois pas aller à Carrefour aujourd'hui, j'y suis allé hier. » Très bien écrit. Yossi, il y a beaucoup de supermarchés Carrefour en France, mais aussi en Pologne de propriété française. Vouslat qui dit « Il va aller à Carrefour pour faire les courses. » Oh, et regardons Marcus. Merci Marcus. Marcus m'a offert un café et vous savez que j'aime beaucoup le café ou les boissons caféinées. Donc c'est très très gentil. Merci beaucoup Marcus. Sophia X, je trouve que les immigrants aiment vivre proche des Carrefours. Chris Mo, j'adore faire du shopping à Carrefour parce que j'ai trouvé mes biscuits préférés. Oh, Figolu. Alors oui, alors là, Chrismo, je suis d'accord avec vous, Figolu, c'est incroyable, incroyable comme biscuit. J'adorais Figolu quand j'étais petit déjà, donc ah oui, le Figolu, c'est incroyable. Yulia, on n'achète pas l'amour à Carrefour. On achète, allons, et lâchez l'amour, ça ne s'achète pas, mademoiselle Olga. Ch'ti, nous avons un Carrefour, d'accord. Ensuite, Renato, tous les 15 jours, je vais acheter ma nourriture à Carrefour. Lynn, je devrais aller au Carrefour, je prends une bouteille de vin rouge, je pense. Denora, ne m'oblige pas à avoir un masque avant d'aller à Carrefour. Mais il faut le mettre quand même. Hein. Cosmina, à Carrefour, nous pouvons acquérir de la confiote, des cocos, des casse-croûtes et un peu de Covid. Oh non! Ah oui, d'accord. Ah, l'humour a ses limites quand même.
On peut rire de tout et c'est ça qui est formidable. Ah chouette, oui. Le Carouf était fermé pendant le confinement. Merci. Allez, le troisième, et c'est Karna. Karna, eh bien, c'est intéressant parce que c'est un verbe. Alors, c'est un verbe qui vient, bien évidemment, du verbe arnaquer. Arnaquer, vous allez le mettre en verlan et vous allez le diminuer. Et vous obtenez Karna. Donc, ça veut dire arnaquer, escroquer ou voler. D'accord ? Regardons un exemple. Je le crois pas, elle a essayé de me Karna. Je ne veux pas le croire, elle a essayé de me voler. Elle a essayé de me Karna. Allez, essayez de m'écrire une phrase avec Karna, s'il vous plaît. Karna, ça veut dire arnaquer, escroquer ou voler. Alors attention, attention, soyons clairs, vous êtes 90 personnes, 91, je ne sais pas, et il n'y a que 67 likes, ça n'est pas raisonnable. S'il vous plaît, cliquez sur le bouton like si vous ne l'avez pas encore fait, merci. Alors, Yasmine nous rejoint. Bonjour Yasmine. Je regarde. Cosmina qui dit non, c'est pas juste pour rire. Ah, c'est ça l'humour. C'est ça l'humour. Alors, Envy qui dit « La karma, une vieille chaussette, crème dans le grenier », d'accord. Yulia qui dit « J'étais karma deux fois à Carouf ». Ou « Je me suis fait karna ». Je me suis fait karna. Je me suis fait karna deux fois à Carouf. Roman qui dit « Je l'ai vu, qu'il y a karna devant moi ». Oui. Andrea qui dit « Il a téléphoné à propos d'un nouveau contrat, mais je pense que c'est une karna ». C'est probable. Il y a longtemps, ne m'a pas Karna, nous dit Renato. Yesero, le cadre a été Karna par le mec de la banlieue. Ouais. Hillary qui dit ne me Karna pas encore. On a des structures très intéressantes. Yossi qui dit quand nous avons été au COP en Italie, mon épouse s'est faite Karna par quelqu'un. Alors, Sophia X qui nous dit « J'étais carna une fois dans la rue par deux ados. » Hero King qui dit « Qui carna un clou, carna un éléphant. » Elle est formidable celle-là, Hero King. Ça, il faut la noter. Peut-être un tatouage. Je ne sais pas. Il faut immortaliser cette phrase. Cassandra, il y a des caméras partout dans les magasins pour éviter de carna. Ouais. Mélissa Madrid, je n'aime pas me promener dans certaines rues après 18h. Je ne veux pas me faire carna. Bah oui. Saïda qui dit, ils ont essayé de me carna aujourd'hui. Ah bah ouais, ça c'est pas sympa. Allez, numéro 4. Numéro 4, eh bien, c'est les chiottes. Alors, les chiottes, et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ce sont les toilettes ou les WC. Les toilettes ou les WC, c'est les chiottes. Exemple, tu sais où sont les chiottes dans Stroxon? Est-ce que tu sais où sont les toilettes dans ce bar? Un bar, c'est un troxon. Est-ce que tu sais où sont les toilettes dans ce bar? Tu sais où sont les chiottes dans ce troxon? Allez, écrivez-moi une phrase avec ce mot.
Alors, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Anne-Vie Kim, je suis perdu. Les chiottes sont très sucrées. Alors, les chiottes, Anne-Vie, c'est les toilettes, les WC. Très sucrées, ça, je ne sais pas. Ça me dépasse. C'est une phrase que... Il faut que je médite. Yesero, elle s'est perdue quand elle a demandé au serviteur où sont les chiottes. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent écrire avec ce mot ou pas ? Alors, Hillary qui nous dit « Les chiottes sont propres ici ». D'accord, n'oubliez pas, Hillary, il faut mettre le pluriel, hein, chiottes, et puis « propre » aussi, puisque c'est pluriel. Stardust qui dit « À l'aéroport, il faut marcher des kilomètres pour trouver les chiottes ». Et ça, c'est vrai souvent. Sophia X, dans les chiottes en Chine, tu peux te laver après chaque usage. Andrea, les chiottes du restaurant sur l'autoroute sont horribles. Ça, c'est vrai. C'est vrai, c'est toujours des expériences incroyables. On ne sait jamais comment ça va être. Julia, les chiottes, c'est un problème européen. Impossible de les trouver. Ça, c'est vrai, Julia avait posé ce scandale sur Paris. Elle avait dit, il n'y en a pas assez. Il faudrait en trouver. J'écoute vraiment bien le cours en Corée. Bonjour. Douan. Annabelle, les chiottes ici sont propres. Et là, excuse-moi madame, où sont les chiottes, d'accord ? Alors faites attention, c'est du français très familier. C'est très, très familier. Ne demandez pas ça à des gens. C'est difficile de dire à quelqu'un « Excusez-moi madame, où sont les chiottes ?» Ça, c'est pas acceptable. Et Kouvanich qui dit « Il y a toujours des chiottes à Carouf. » Ah ben ça, c'est probable. Attendez une seconde. Je clique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Yossi qui nous dit « Est-ce que les chiottes ici sont ouvertes ? Sinon, donnez-moi la clé, s'il vous plaît. » Denora, c'est difficile de trouver des chiottes dans les bois. Ça, c'est vrai. Par définition, c'est très difficile. Allez, numéro 5 est « tège ». C'est un verbe. Le verbe « tège », qu'est-ce que c'est ? C'est du verlan encore. Alors, ça vient de « jeter ». En général, on va l'utiliser pour une personne. Quitter quelqu'un ou alors se séparer de quelqu'un. Donc, quitter quelqu'un ou se séparer de quelqu'un, ça va être « tège quelqu'un ». Donc, c'est vraiment le verbe « tège ». Regardez, elle était tellement mytho que j'ai décidé de la tège. Elle était tellement mytho, on avait dit menteuse, hein, elle n'était pas honnête, que j'ai décidé de la quitter. Elle était tellement mytho que j'ai décidé de la tège. Allez, une petite phrase avec tège, s'il vous plaît. Alors, Julia qui commence, il tège des femmes partout. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais non. Luciana, il devrait la tège depuis longtemps. Cosmina, elle ne se tège de son portable, pas même quand elle a besoin d'aller aux chiottes. Ah oui, mais si vous commencez à combiner tout. Andrea qui dit « Je te tège, tu ne m'écoutes pas ». Hillary qui dit il a été tège alors.
On voudrait le conjuguer, celui-là. Quand il n'a plus d'argent. Yesero, l'ado était très triste samedi dernier quand son petit ami l'a tège. James qui nous dit « Mon ami m'a tège avec ma copine, elle me manque. Cassandra essayait toujours de sauver la relation avant de décider de tège quelqu'un. Moura qui dit « Je vais tège dormir tard. » Non, 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 moi, hein. C'est vraiment jeter mais à l'envers, mais donc quitter quelqu'un. C'est une relation, hein, ici. Yossi, les films que j'ai regardés à la télé étaient ennuyeux et j'ai dû les taire. Ouais, c'est plutôt pour des personnes. Hein. Roman, il était vraiment très... Attends, il était vraiment très triste quand j'ai dit que je ne pouvais plus rester et que je devais les taire. Ouais, alors, quitter dans le sens, dans une relation, hein, Romain, en général. Akanksha, tège est une forte décision, une décision forte. Et Kouvanich, quand une relation ne fonctionne pas, le meilleur c'est de... Ah, tège quelqu'un, si vous voulez. Alors attendez. Oh non, Hero King, j'étais obligé de cliquer sur vous parce que c'était bloqué. Je l'ai tège car elle avait... Stardust, comme mon matou était petit, il a décidé de sauter par la fenêtre du deuxième étage et de me tège. Ah oui, mais là, c'est brutal. Je l'ai cherché pendant des jours et je l'ai finalement retrouvé. Ben écoutez... Allez, n'oubliez pas de cliquer s'il vous plaît, ce serait bien aimable. Allez, à vous la parole, à vous la parole. Regardez, voudriez-vous avoir un tatouage ou un nouveau tatouage? Si vous avez déjà un tatouage, est-ce que vous en voulez un autre? Si vous n'en avez pas, est-ce que vous désireriez avoir un tatouage? Pourquoi et quoi? C'est-à-dire que si vous voudriez en avoir un, qu'est-ce que vous voudriez avoir comme tatouage? Allez-y. Alors, je vous rappelle la question, voudriez-vous avoir un tatouage ou un nouveau tatouage si vous en avez, eh bien, déjà un? Pourquoi et quel tatouage vous voudriez avoir? Lynn commence et nous dit « Non, pas moi, je ne les aime pas ». Hero King qui dit « Une demi-lune, Luna, le prénom de ma fille ». Oh, ben ça, c'est mignon. Ça, c'est très, très, très mignon. Anvi Kim qui nous dit « Oui et non, enfin, je ne sais pas ». Bref, les tatouages sont très jolis. Ah, c'est pas clair comme réponse. Mais bon, c'est une réponse. Victoria, je n'ai pas de tatouage, mais je veux avoir des petits oiseaux sur mon dos. Andrea qui dit, je n'ai pas de tatouage. Non, je ne les veux, mais... Alors attendez, si je devais le faire, je tatouerais mon chien Johnny. On a vu Johnny, Johnny est magnifique. Il est très très beau. Renato, et d'ailleurs Andrea, si vous avez l'occasion, une petite papouille à Johnny de ma part. Parce que quand j'ai vu la photo, je me suis dit « Oh, il est tellement mignon, on a envie de le papouiller, ce Johnny ». Renato, j'ai déjà pensé beaucoup à me faire un tatouage, mais par contre, je préfère ma peau naturelle. Ah ben oui. Ice Cubes, pourquoi as-tu décidé de la tèche, Vincent?
Oh, c'est des longues discussions. C'est des discussions. Il faut avoir un verre de vin, Ice Cubes. On en discute. C'est pas un problème, mais c'est long comme discussion. Yossi, le tatouage, non, pas du tout, pour rien au monde. Luciana, non, je n'aime pas les tatouages. Je préfère mon tableau au naturel. Hillary qui dit non, je ne voudrais pas un tatouage parce que je ne le change pas comme de vêtements. Ça, c'est vrai. Fatima qui dit coucou, coucou Fatima. Yulia qui dit je ne suis pas contre le tatouage, mais je ne suis pas sûr qu'il va sembler bon si je suis vieille. Oh, on ne sait pas. On ne sait pas, ça peut être intéressant. Cheryline, non, absolument pas. Mis à part le fait que j'ai la peau sensible, je ne pense pas que ce soit attrayant et c'est probablement quelque chose que vous regretterez en vieillissant. Annabelle qui nous dit peut-être parce que ça fait probablement... peut-être pas. Parce que ça fait probablement mal de le faire. C'est probable, c'est probable. Il y a des parties du corps qui sont très sensibles. Vous, Slat, non, je n'ai pas de tatouage. Je n'aime pas les tatouages. Stardust, j'aime les tatouages. Mais seulement s'ils ont une signification. J'ai déjà rencontré beaucoup de gens sympas grâce à eux. J'ai moi-même aussi quelques tatouages et j'en planifie déjà deux nouveaux. Yesero, oui, je voudrais avoir un tatouage de Triforce et des jeux de Zelda, car il me rappelle du courage, la sagesse et la puissance. Waouh! Akancha qui nous dit non, j'ai un nouveau tatouage parce que le tatouage va contaminer le sang. Ah, c'est possible. Denora qui nous dit oui, j'ai commencé à apprécier l'art du tatouage. Un bon tatouage, bien sûr. Yann Arte, je n'aime pas les tatouages, je préfère être au naturel. Et Kouvanich, je pense que les tatouages sont beaux, mais je ne veux pas avoir un tatouage parce qu'ils sont pour toute la vie. Roman qui dit, je n'y ai pas encore pensé, car je suis à l'aise avec mon corps et la colombe ne veut pas me blesser ou attraper des maladies à cause des tatouages. Cassandra, non, je n'ai jamais eu de tatouage et je ne veux pas en avoir. Ensuite, Ice Cubes qui dit, oui, mais j'ai peur. Ah ben ça fait peur. Hein. Cosmina, non, je ne veux pas de tatouage parce que ma peau est fine et délicate et je désire qu'elle reste comme elle est. Abdoulaye, est-ce que vous pouvez venir en visioconférence? Mais je suis en visioconférence. Ah, je ne sais pas, ou alors vous ne voyez pas ma vidéo, je suis désolé. Et Julia qui dit, oui, un tatouage sur un téton. Qu'est-ce qui se passe? Mais que se passe-t-il, Julia, aujourd'hui? Allez, dictée et citation, dictée et citation, regardons, dictée et citation, première chose, Vincent et toi, ah pour le tatouage Andrea, en fait, oh, pour vous dire la vérité, normalement je devais me faire tatouer avec ma fille quand ma fille voulait avoir 18 ans, et puis j'ai eu peur, et elle a fait son tatouage, et moi je ne l'ai pas fait, la vie est bizarre. Alors, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, le thème, eh bien, c'est le pardon, puisque c'était le thème de la chanson d'Étienne Dao, que j'ai trouvé très, très sympathique aujourd'hui. Et donc, je me suis dit que j'allais essayer de trouver des citations sur le pardon. Et il y en a pas mal. On va commencer avec la première. Le pardon est la plus belle fleur de la victoire. Le pardon est la plus belle fleur de la victoire. Écrivez, s'il vous plaît. Alors, il y a qui dit, vous pouvez faire un tatouage quand Nicolas aura 18 ans. Oh oui, mais c'est pas raisonnable. Si on pousse comme ça, on n'est pas crédible.
Alors, regardons. Pour l'instant, je trouve que... Non, c'est vraiment bien écrit. Regardez. Donc, le pardon, hein, ça, c'est relativement facile à écrire. P-A-R-D-O-N est la plus belle fleur. Alors, belle doit être, bien sûr, au féminin, puisque fleur, c'est féminin. Donc, belle, B-E-L-L-E. Et puis, de la victoire. Victoire, ça n'est pas très difficile. On l'écrit V-I-C-T-O-I-R-E. Et c'est un proverbe arabe. Et je trouve que c'est vraiment très, très joli. Le pardon est la plus belle fleur de la victoire. Allez, regardons le deuxième, en tout cas la deuxième phrase. On y va. C'est un peu plus long. Il est très difficile de pardonner, virgule, car le pardon doit venir du cœur et non de la tête. Je répète. Il est très difficile de pardonner, virgule, car le pardon doit venir du cœur et non de la tête. Écrivez, s'il vous plaît. Alors, attendez, je regarde parce que ça commence à arriver et c'est très très bien. Regardons la phrase ensemble. Ce que je vois pour l'instant, c'est vraiment bien. Faites attention, donc pour le verbe, deuxième verbe, hein, donc il est très difficile de pardonner doit être, souvenez-vous, à l'infinitif. Hein. Donc pardonner à l'infinitif, P-A-R-D-O-N-N-E. R, infinitif. Car le pardon doit, bon ben ça c'est le verbe devoir, troisième personne du singulier, D-O-I-T, Tenzin qui arrive, bonjour Tenzin. Venir du cœur, bah écoutez pour l'instant ça n'est pas problématique dans ce que je vois, et non de la tête. Voilà, il est très difficile de pardonner, virgule, car le pardon doit venir du cœur et non de la tête. Allez. La troisième, la voici, la voilà. Attention, on y va. Le pardon est un choix que tu fais, virgule, un cadeau que tu donnes à quelqu'un, même s'il ne le mérite pas. Je répète. Le pardon est un choix que tu fais, virgule, un cadeau que tu donnes à quelqu'un, même s'il ne le mérite pas. Écrivez la phrase, s'il vous plaît.
Alors, vos phrases commencent à arriver. Et donc, regardons ensemble cette phrase qui était un petit peu longue. Mais ça n'est pas un paragraphe. J'anticipe, hein, j'anticipe les remarques. Alors, le pardon est un choix. Choix, bah, écoutez, vous l'écrivez bien, C-H-O-I-X. Que tu fais, le verbe faire, que vous conjuguez au présent, deuxième personne, F-A-I-S. Un cadeau que tu donnes, verbe donner, au présent, deuxième personne, D-O-N-N-E-S. À quelqu'un, bon, quelqu'un, vous l'avez bien écrit, oui, faites attention, Hima, quelqu'un, vraiment apostrophe, hein, donc Q-U-E-L, Q-U, apostrophe, U-N, hein, même s'il ne le mérite, verbe mériter, premier groupe, n'oublions pas le E, Andrea, à la fin de mérite. Merci beaucoup. Troisième personne du singulier, avec un « e » pas. Alors la phrase « Le pardon est un choix que tu fais. Un cadeau que tu donnes à quelqu'un, même s'il ne le mérite pas. » Allez, on continue avec la quatrième phrase. La quatrième phrase, eh bien, c'est toujours sur le pardon, bien sûr. Épargne-toi du moins le tourment de la haine, virgule, à défaut du pardon, virgule, laisse venir l'oubli. Épargne-toi du moins le tourment de la haine, virgule, à défaut du pardon, virgule, laisse venir l'oubli. Écrivez, s'il vous plaît. Alors, regardons, Cassandra qui dit c'est difficile. Oui, c'est difficile, et puis en plus, c'est à Fred de Musset, donc c'est un petit peu ancien. Épargne-toi du moins le tourment de la haine. Alors là, j'ai l'impression que vous ne l'avez pas entendu, le du moins. Yesero l'avait entendu, il avait un doute. alors, à défaut du pardon, laisse venir l'oubli. J'ai l'impression que celui-là vous a fait... Oh, Cassandra qui a peur. Très bien. Cette phrase, c'était pas facile, nous dit aussi, c'est vrai. Allez, on va l'oublier. On va l'oublier, vous ne l'avez pas aimé. C'était Alfred de Musset. Bon, c'est assez ancien, donc peut-être que j'aurais dû vous prendre des choses un petit peu plus récentes. Celle-là, elle est très courte. Pour finir, ce sera beaucoup plus sympathique, si vous voulez. Le pardon
n'est pas au bout du chemin, virgule, il est le chemin. Je répète, le pardon n'est pas au bout du chemin, virgule, il est le chemin. Allez-y. Alors là, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Je m'excuse pour la phrase précédente. Regardons ici. Le pardon n'est pas au bout du chemin. La difficulté, c'était au bout, bien sûr, en deux mots. Au, A-U, bout, extrémité, B-O-U-T. Faites attention. Du chemin. Chemin, bah, écoutez, vous l'écrivez C-H-E-M-I. N. Le chemin, et donc après, il est le chemin. Le pardon n'est pas au bout du chemin, il est le chemin. Attention à Kangsha, ça n'était pas il aide, mais c'est vraiment le verbe être ici, il est le chemin. Merci beaucoup pour votre patience. Alors n'oubliez pas de cliquer, il y a 87 likes et bien sûr, idéalement, nous essaierons d'atteindre les 100 likes. Merci beaucoup. Alors souvenons-nous, à vos téléphones, eh bien c'est délicieux, c'est la possibilité d'envoyer des photos, d'écrire éventuellement un petit commentaire, de poser une question, de l'envoyer à l'adresse électronique vosphotos@fluent2plus.com et après je vais les intégrer eh bien dans nos cours. Et c'est Yulia qui nous a envoyé une photo intéressante. Avec cette question, Yulia vous pose la question, mais que pense-t-il ? Allez, écrivez une petite phrase. Hero King qui dit « Merci Vincent, je vais commencer à pardonner sans rancune. » je crois qu'il y avait Ice Cube qui avait demandé pour moi si je pardonne. Là, pour l'instant, je ne suis pas dans cette période de pardon, pas encore. Ça commence à Kangsha qui pense que les chiens pensent tout simplement, mais quoi? Nehali Siman nous rejoint, bonjour. Ensuite, Soukania qui nous dit ce sont de vrais amis, ça c'est vrai. Hero King qui nous dit des rescapés du carnaval de Rio. C'est vrai, mais pas le premier. Le premier, on a l'impression qu'il est presque normal. Les autres sont clairement très intéressants. Je regarde ensuite Luciana qui nous dit « Youpi, allons-nous promener ?» Andrea qui dit « Tous alignés, nous allons au parc. » Eh oui. Annabelle, je veux vraiment avoir le chien jaune. Mais lequel, Annabelle? Parce que le dernier, il a les oreilles jaunes.
Donc il y a un petit peu de jaune. Le deuxième, clairement, il est intégralement jaune. Oh, c'est quand même bizarre d'avoir teint son chien comme ça. Edgley qui discute avec Luciana. Roman, attends. Tu prends des photos de moi. Ok, maintenant tu peux prendre. Ah oui, sauf le chien de devant, il ne regarde pas trop. Yann Arte qui nous dit, ils sont agréables finalement ces chiens. Stardust qui nous dit, je pense que c'est terrible. Les pauvres chiens, je ne comprends pas comment vous pouvez faire ça à vos animaux. Le dernier, il est clairement, il est pas bicolore, il est pas tricolore, hein, il est quadricolore parce qu'il y a du blanc, du orange, du jaune et du bleu. Mais le bleu, je ne sais pas si c'est, oui, c'est bizarre quand même. Hein. Alors ensuite, regardons. Hillary qui dit c'est très mignon, mais peut-être pas pour des chiens. Bah non. Hillary qui, oui, donc Yesero, pardon. Les chiens pensent, mais maman, où tu nous emmènes? J'espère pas chez le vétérinaire. Tenzin, je pense qu'ils sont à l'aéroport ou dans un magasin. Ice Cubes qui dit, les petits sont réels, vraiment? Ice Cubes qui doute. Elle doute de... Oui, c'est peut-être que ce sont des peluches, finalement, je ne sais pas. Yossi qui dit, ils ne sont pas habitués à ce genre de communication. Eh oui. Fatima, ils reviennent de chez le coiffeur, possible. Denora, le panier est très petit pour les animaux. Lynn, il pense pourquoi nous ne marchons pas. Et Kouivanich qui dit, ils pensent qu'ils vont au supermarché pour acheter de la viande. C'est possible. Olga, je ne les vois pas très bien. Désolé. Olga, c'est pas très grave si vous ne les voyez pas très bien. C'est pas quelque chose que vous manquez beaucoup. Sophia, les chiens prennent une promenade ou font une promenade et ils pensent que Yulia doit le faire plus souvent. Eh oui, ce sont peut-être les chiens de Yulia. Peut-être qu'elle a décidé d'avoir des chiens colorés. Vouslat, les chiens pensent qu'ils vont aller manger quelque chose au parc. Hima, il pense pourquoi il prend une photo et il me demande pas pour une pause. C'est possible. Felipe qui dit, je ne veux pas de photo. Ah, les chiens pensent qu'ils ne veulent pas être pris en photo. Probablement, Felipe. Mélissa Madrid. Ils pensent qu'il faut se déguiser pour que quelqu'un les adopte, mais le premier, il prend les choses au sérieux. Le premier est très sérieux, hein, il est concentré, le premier, c'est clair. Cosmina, ce sont des animaux innocents et ignorants, mais le propriétaire ne le sait pas. Et peindre ou teindre ces animaux comme ça, utilise son emprise pour faire une chose pareille, je n'aime pas ça. C'est vrai qu'il a... Mais le premier, il a pas été teint, mais peut-être qu'il ne se laisse pas faire, le premier. On a l'impression qu'il est plus... Il est plus déterminé. Hein. Renato, le premier, parce qu'il se... Alors attendez, le premier pense que ce n'est pas si mal. Nico, ces humains sont fous. Eh oui, c'est possible. Olga, ils ne sont pas des enfants. Alors Yulia qui dit, ils sont réels. J'étais aussi étonnée. Ah donc c'est Yulia qui a pris la photo. Hein. C'est Yulia, eh oui. Vous avez discuté, Yulia, il faut discuter avec les personnes. Dans ces cas-là, il faut poser des questions. Hein. Allez, encore 9 likes et nous arriverons à 100. Ce serait pas mal. Si vous n'avez pas encore cliqué sur like, allez-y. Allez, le mot du jour, et bien comme d'habitude, un mot pour résumer votre journée. Juste un mot, allez-y.
Alors, ça commence avec Cosmina, l'héliotrope, Vousla, tranquille, Denora, la motivation. Angel, vous êtes de France? Oui, Angel. Et vous, Angel, d'où êtes-vous? Akanksha, dormir. Soukania, calme. Sophia X, ennuyée. Hillary qui nous dit apprendre. Hero King qui nous dit verte. Ça, c'est intéressant, ça. Tenzin, silence. Renato qui nous dit soleil. Eh ouais, ici aussi, on a eu du soleil aujourd'hui. C'est très agréable. Lynn, pensée. Julia qui nous dit problème technique. Ho ho, ça n'est pas moi. Ça n'est pas moi qui ai des problèmes techniques, pour une fois. Andrea qui dit nettoyage. Cassandra qui dit fatigue. Luciana qui dit la chasse. Par signal d'internet. Comment ça, la chasse? Vous cherchez le signal? Roman, de nombreuses tâches. Ça, c'est toujours bien d'avoir des choses à faire. Yossi, perdu dans les documents. Ça, ça arrive. Ça arrive. Hein. Yesero, cherché. Mélissa Madrid, épuisé. Qu'est-ce qui se passe? Il faut prendre des vitamines. Des vitamines, Mélissa Madrid. Les intersaisons, c'est difficile. Cheryline, VTT. Du vélo tout terrain, je pense. Fatima qui nous dit samba. Ice Cubes qui dit espagnol. Cling avec la danseuse, encore une fois. Ekouvadish qui dit fatigant, mais heureux. Annabelle qui dit agréable. Ça, c'est formidable, agréable. Anvi qui dit chauve-souris. Le petit animal. Est-ce que vous avez une chauve-souris quelque part? Alors, c'est mignon, mais c'est, oui. Stardust, mélancolie. Victoria Thomas, fatigant. Yann Arte, gris. Sunde qui nous dit occupé. Méditator, reconnaissante. Ça, c'est pas mal, reconnaissante. Olga qui nous dit magnifique. Felipe qui continue en nous disant fascinant. Ça, c'est pas mal, fascinant aussi. C'est assez positif quand même, toutes les choses que vous avez écrites. Merci beaucoup. Allez, l'image du jour. L'image du jour, eh bien, la voici. J'ai trouvé que cette photo était assez intéressante. Et si vous pouviez écrire une phrase pour la décrire ou la commenter, ce serait très, très gentil. Merci, allez-y. Alors, Luciana qui cherche le signal. Attention, ça n'est pas dans la piscine. Là, il faut pas aller dans la piscine avec des choses électriques. Non, 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 hein. Alors, c'est Anne-Vie qui commence et qui dit qu'elle est débrouillarde. Ouais, il faudrait mettre le débrouillard au féminin. Anne-Vie Kim, d'accord. Donc, débrouillarde. Annabelle qui nous dit « Elle aime tellement sa vie ». Hillary qui nous dit « Ce n'est jamais trop tard pour apprendre ». Et ça, c'est pas mal comme idée. Yesero qui dit « Cette photo nous montre qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre ». Eh ben voilà. Sophia X, il n'est jamais trop tard pour apprendre aussi. Ça, c'est la belle idée qui se dégage de cette photo. Hero King qui nous dit la vie
est un apprentissage. Ça aussi, c'est très bien écrit. Hein. Hero King, là, vous avez des belles formules pour des tatouages. Hein. Si vous cherchez des formules pour des tatouages, pht, allez-y. Luciana, non, pas de piscine aujourd'hui, à l'hôpital. D'accord, très bien. Ah, vous cherchez le signal à l'hôpital. Ouais, comment ça? Je suis un peu lent aujourd'hui. Tenzin, ça indique qu'il est important d'apprendre et l'éducation. Lynn qui dit elle écrit son journal, c'est possible. Andrea, maître de l'ordre à l'ordre du jour. Ça, c'est pas mal aussi. Yossi, un homme ou peut-être une femme, moi je pensais que c'était une femme, s'est assise sur le trottoir pour prendre des notes. Cosmina qui nous dit un mélange heureux entre la tradition et la modernité, une femme assez vieille qui lit avec passion. Soukania qui nous lit l'apprentissage de la vie, ou est la vie, pardon. Denora, nous n'avons pas beaucoup, mais combien avons-nous besoin, c'est vrai. Victoria qui nous dit, elle écrit ses rêves. Ça, ce serait intéressant, oui. Il y a une période, j'avais des rêves qui étaient mais vraiment totalement pas intéressants du tout. Je vais au magasin. Fatima, elle écrit une poésie. Renato, il s'agit d'une femme en Asie qui étudie. Francis qui nous dit, c'est une personne responsable, elle veut être meilleure. Ça, c'est très bien écrit. Yulia qui nous dit, elle va écrire quelque chose du bien du... Un poème! Ah, d'accord, très bien. Cassandra, je vois la paix sur cette photo. Akanksha, il y a une femme qui est très passionnée par les études. Elle suit sa passion d'étudier, peut-être. Stardust, la vie est parfois plus facile avec un peu qu'avec beaucoup. Eh bien, ça, c'est sûrement vrai. Roman, cela fait vraiment mal de voir de nombreuses personnes dans le monde qui ne sont pas éduquées, peut-être à cause de la pauvreté ou de la guerre. Mais c'est très agréable quand ils essayent d'apprendre. Mélissa Madrid qui nous dit, dans cette photo, on voit une belle femme habillée d'une robe jaune comme celle des Indiens. Sunday qui dit, elle écrit le devoir pour son fils qui dort. Vous croyez? Peut-être. Roman qui dit « Au jour le jour ». Yann Arte qui dit « C'est une photo et que la fin d'études en place, c'est agréable ». Stella qui nous rejoint. Cette femme a l'air de lire un journal en essayant de trouver des informations qui l'intéressent. Et Kouivanish qui nous dit « Probablement que cette femme pratique la bonne lecture ». Très bien. Courage qui dit « Elle étudie le français ». Sherilyn qui nous dit, c'est un restaurateur déguisé en femme indienne qui espionne le restaurant de son concurrent et prend des notes. Qu'est-ce que c'est que cette idée? C'est intéressant, un peu bizarre, mais intéressant effectivement. Vouslat qui nous dit, c'est une femme qui se sent bien dans sa peau et lit son livre assise sur le trottoir. Et Yulia qui nous explique le poème indien bien connu. Désolé, ah ça n'est pas grave Yulia. Moi je connais uniquement Dilorolai et c'est le seul poème que je connais dans une langue étrangère. Trois likes et nous arriverons au 100 et là je serai un homme relaxé, un homme beaucoup plus détendu, un homme joyeux. Allez, vous le savez, on a commencé ça il n'y a pas très longtemps, c'est traduction et emoji. Alors, on va commencer avec le premier. Ce sont des phrases simples que d'abord vous allez traduire d'anglais en français et ensuite, bien sûr, une petite illustration avec un emoji pour donner un petit côté sympathique à l'exercice. Première phrase, I won't say anything, you can trust me. I won't say anything, you can trust me. Comment est-ce que vous pourriez traduire ça en français ?
Alors, on va regarder ce que vous avez écrit. Alors, personnellement, hein, vous voyez ma phrase, « Je ne dirai rien, tu peux me faire confiance. » Mais comme d'habitude, il y a plusieurs possibilités. Donc, je regarde ce que vous avez écrit. Chériline, « Je ne dirai rien, tu peux me faire confiance. » On a la même. Cosmina, « Je ne vais rien dire. » Oui, futur proche. « Mais vous pouvez compter sur moi. » Oui, là, on peut considérer que c'est pas mal. Yulia, « Je ne vais rien dire, je te jure. » Oui, c'est possible aussi. Je ne veux rien. Ah, attention Stardust. Ici, c'était plutôt je ne vais rien dire. Hein, parce que là, je ne veux rien, c'est un petit peu étrange. Il manque quelque chose. Yesero, je ne dirai rien. D'accord. Bon, je regarde. Vous pouvez le mettre au présent. Je dis rien. Je ne dis rien. Tu peux me faire confiance. Pourquoi pas. Donc, nous sommes d'accord qu'ici, hein, ce serait plutôt cette structure. Je regarde hein, ce que... Faites attention, Stella. C'est pas tu peux me confier. Non. C'est avoir confiance en quelqu'un, faire confiance en quelqu'un. Donc, je ne dirai rien. Tu peux me faire confiance. Regardez, et bien sûr, comme d'habitude, maintenant, essayez sur votre clavier, essayez de me trouver un petit emoji pour, eh bien, illustrer cette phrase. Je ne dirai rien, tu peux me faire confiance. Alors, c'est vous, Slade, qui commence. Ah, je vois que là, j'ai l'impression qu'on va être un petit peu tous sur le même... Alors, vous, Slade, Himabindu, c'est la même chose. Stardust, ça, c'est pas mal. Le petit singe qui, effectivement, se cache à la belle nouvelle. Eh oui, avec effectivement... ça, c'est pas mal. Je regarde les autres. Ah, Sherilyn, ça, c'est intéressant. Ah, donc c'est le côté plutôt avec le doigt devant la bouche, eh oui. Et le petit clin d'œil, Yesero, c'est intéressant parce que Yesero, c'est plutôt... Moi, je croyais que c'était pour les insultes, avec les mots comme ça. Je ne sais pas. Sophia X, c'est le personnage qui fait comme ça. Qu'est-ce que... C'est intéressant. Bon, merci beaucoup en tout cas. On continue avec Hero King qui met un chien. Qu'est-ce que ça veut dire, Hero King ? Le chien ! Ah, parce qu'il ne parle pas. C'est peut-être ça et qu'on peut faire confiance. Ah, je ne sais. Ah, c'est intéressant. Hein. Allez, ensuite, numéro 2, s'il vous plaît. Numéro 2. I like to disguise myself. Comment est-ce que vous pourriez traduire ça en français, s'il vous plaît ? Alors, Nevin, could you explain discours apporté? Well, not really during this lesson, because this lesson is for advanced and it's only in French, but then I've been making at least two or three videos regarding discours apporté, so you can look on my channel and basically I will explain it extremely precisely. So this is the best way if you want to really work on le discours apporté. Alors, on regarde ce que vous me mettez. Ici, idéalement, oui, hein, c'est j'aime bien. On avait vu que tout ça, c'était acceptable. Donc, vous, cela, j'aime ou j'aime bien. Oui, c'est bien. Roman, j'aime. Oui, d'accord. Bon, ensuite, le verbe. Le verbe, c'est se déguiser. D'accord. Mais comme d'habitude, même si c'est l'infinitif, vous devez mettre votre pronom en fonction du sujet. C'est logique. Donc, j'aime me déguiser. J'aime bien me déguiser. Dans tous les cas, ça passe. Je regarde. J'aime me déguiser. J'aime bien me déguiser. Pas de problème. Qu'est-ce que c'est, Julia ? Ah non, je suis... Camouflage, hein, j'y comprends rien.
S'il vous plaît, j'aime bien me déguiser. Envoyez-moi un emoji pour illustrer cette phrase. Merci beaucoup. Alors, Nevin, well, it's my pleasure. Don't worry. If you've got some questions, you can join tomorrow. Tomorrow, it will be in English and in French, but today, it's only in French. D'accord? Merci. Alors, je regarde les premiers. C'est Cosmina Bellou. C'est un petit... Je ne sais... Qu'est-ce que c'est exactement, cette chose? C'est un soleil, je n'ai pas bien vu. Alors ensuite, Stardust qui met une sirène, c'est très joli. Julia avec des yeux. Roman, j'adore. les lunettes avec la moustache, ça c'est sympathique. Cassandra, donc c'est plutôt le fantôme. Baveshi, c'est plutôt le chat. Le chat dans la boîte. Le chat dans la boîte, on peut l'utiliser vraiment, vraiment, pour dire beaucoup de choses, hein, parce que vous l'utilisez pour exprimer différentes choses. J'aime bien me déguiser, mais bon, c'est toujours intéressant. On continue. Numéro 3, s'il vous plaît. Numéro 3, alors, même chose ici. I cried while watching this movie. Comment est-ce que vous pourriez traduire cette phrase en français, s'il vous plaît? Alors, je regarde encore vos personnages. Je vois que Meditator, Annabelle et Vouslat ont choisi ce petit personnage. Je ne sais... Qu'est-ce que c'est comme... On dirait un... Est-ce que c'est un clown? Je ne sais pas trop. Yesero qui a choisi un autre masque avec un personnage qui fait peur un petit peu. Ikomar qui choisit une sorte de ninja. C'est toujours très très intéressant de voir ce que vous en voyez. Alors ici, c'est intéressant. Bon, je me disais que peut-être nous aurions pu éventuellement utiliser un petit gérondif en regardant. Cosmina voulait éviter le gérondif. Elle s'est dit non, non, non. Alors faites attention, Cosmina, j'ai plu. Le verbe pleuvoir, c'est un verbe qui est plus collectif. Vous auriez dû utiliser pleurer. J'ai pleuré. Quand je regardais ce film et je dis « c'est parfait », vous avez évité effectivement le gérondif, mais vous avez très très bien utilisé d'abord le passé composé et puis l'imparfait parce que vous regardez le film eh bien, pendant peut-être une ou deux heures. Regardons ensuite les autres, Julia, en regardant, c'est bien. Alors idéalement, ouais, c'était plutôt le gérondif. Le gérondif, c'est le participe présent, « regardant ». Et puis, vous mettez eh bien, la préposition « en ». « En regardant » qui indique cette simultanéité d'action. « J'ai pleuré en regardant ce film. J'ai pleuré quand je regardais ce film. » Bon, je regarde ce que vous proposez. Hilary, attention, j'ai pleuré. Passé composé, pleuré avec « e » accent aigu. Hein, d'accord. Je regarde les autres. Toc, toc. Non, c'est bon. C'est bon. Faites attention, Sukena, c'est pas... J'ai crié. Crier, c'est un autre verbe en français. C'est ce qu'on appelle des faux amis. C'est-à-dire qu'ils sont très, très proches. Mais crier, en anglais, c'est « to shout ». D'accord. Ici... To cry, hein, c'est pleurer. Et faites attention, pleurer, ça n'est pas comme pleuvoir. Hein, pleuvoir, c'est quand il pleut et tout le monde en profite. Pleurer, c'est plutôt individuel, on va dire. Allez, s'il vous plaît, une petite illustration pour « J'ai pleuré en regardant ce film ». Allez-y. Oh,
Oh, mais Luciana, Luciana qui a regardé. Et merci Luciana de nous rappeler que... Ça y est, finalement, nous avons passé le cap des 100 likes. Nous pouvons continuer notre cours sereinement, sans pression. Alors, on remarque des intensités dans les larmes qui sont assez... C'est différent, hein. C'est pas la même chose. Il y a des gens clairement qui pleurent beaucoup et des gens qui pleurent un petit peu moins. Et clairement, Hiroki, il rit en même temps, une sorte de... C'est des pleurs hystériques probablement, c'est, il ne sait plus trop s'il doit pleurer ou pas. Annabelle, j'aime bien... Annabelle, elle pleure, mais après, elle se mouche. C'est très important de se moucher. Toujours rester correct, même quand on pleure. Allez, on y va. Numéro 4, si vous voulez bien. I don't want to see that. I don't want to see that. Comment est-ce que vous pourriez traduire, eh bien, cette phrase en français? Allez-y. Alors, je regarde, effectivement, ici, on a deux possibilités assez basiques. Pour commencer, on pourra négocier, bien sûr, mais première option, je ne veux pas voir ça. Ou alors, je ne veux pas voir cela. Cela, nous sommes d'accord que c'est la forme originale. Faites attention, on utilise assez rarement cela, maintenant. Vous allez l'utiliser si vous écrivez, et en général, si vous écrivez plutôt des choses qui sont à un niveau universitaire, peut-être. Sinon, la plupart des gens vont utiliser ça. Donc ça, c'est dit à. Je ne veux pas voir ça, je ne veux pas voir cela. Yesero, je ne veux pas le voir. Oui, pourquoi pas. Si vous mettez le voir, comme Sukanya, faites attention. Ça veut dire que logiquement, vous avez... introduit ce que vous remplacez par le pronom, d'accord ? Mais bon, c'est possible. Je ne veux pas regarder ça, nous dit Cassandra. Oui, pourquoi pas, oui. Voir, regarder, en général, ce serait plutôt voir, mais regarder, pourquoi pas. On peut négocier si vous voulez. Alors, regardez, Akanksha. Can you suggest some French songs? I always suggest French songs at the beginning of the lesson. There was one today, yesterday one, so you just need to go back to the beginning of the song, of the lesson, and you will see the song. D'accord? S'il vous plaît, je ne veux pas voir ça. Un petit emoji pour me dire comment vous pourriez le transcrire avec une petite image. Allez-y. Alors là, je vois que c'est très très populaire. Là, c'est clair qu'on va directement, tout le monde va directement sur le singe. Le singe directement, apparemment. Ah, c'est intéressant, Yann Arte qui... Les yeux fermés avec un masque, pourquoi pas. Icomar qui nous propose quelque chose d'assez bizarre. Sophia X, c'est toujours pareil, Sophia X. C'est toujours le personnage qui fait comme ça.
Ah, pourquoi pas, pourquoi pas. Chacun communique comme il veut. Annabelle qui ferme les yeux avec des croix, c'est intéressant. Anne-Vie, alors attendez, parce que c'était bloqué. Je ne sais pas. Anne-Vie, ah, donc c'est une. Mais c'est un aveugle, hein, Anne-Vie Kim. Un aveugle ou quelqu'un qui ne voit pas, effectivement. Alors, le voir en utilisant le comme pronom neutre. Oui, je ne peux pas. Oui, neutre ou ça dépend ce que vous voulez dire exactement, parce que si c'est un pronom, et aussi ça remplace quelque chose automatiquement. Donc qu'il soit neutre ou qu'il ait un genre, ça ne change pas le fait que on doit savoir exactement de quoi vous parlez. C'est un pronom, il remplace quelque chose, donc ça a été mentionné précédemment, c'est le concept. Numéro 5. Numéro 5, regardez. Alors, I categorically refuse your offer. Je voulais mettre, bien sûr, vous l'aurez remarqué, un petit adverbe. Allez-y. Alors, attendez, Sophia X. Ah, mais donc c'est ça la signification? Mais je ne savais pas, Sophia. Excusez-moi. Speak no evil, hear, see no evil. Donc c'est ça le concept? Je ne connaissais pas. Merci, merci de m'expliquer. Alors, regardons ensemble. Donc, oui. Alors, faites attention. Cosmina, je refuse. Très ferme. Ouais. Idéalement, j'aimerais bien un adverbe. Donc, si vous voulez rester sur le ferme, pas de problème, mais vous mettez en adverbe fermement. Ça, ce serait possible. Je refuse très fermement. Et puis, c'est plutôt une offre. Hein. Une donne. On l'utilise, mais uniquement quand on joue aux cartes. Donc, c'est plutôt une offre. Faites attention. Cheryline, je refuse catégoriquement votre offre. Eh bien, regardez, on a la même chose, Cheryline. Albouga, carrément, je n'accepte pas votre offre. Oui, vous changez un petit peu. Carrément, c'est pas mal aussi. C'est vrai que on peut l'utiliser. Vous, Slade, je refuse catégoriquement. Oui. Yesero, absolument. Pourquoi pas, finalement? Tenzin, je refuse votre offre. Ouais. Idéalement, je voulais un petit adverbe, un adverbe de manière. Donc catégoriquement, absolument, carrément, comme on avait vu, fermement nous avait proposé Cosmina. Mais je regarde les autres. Alors effectivement, on pourrait dire ton offre, hein, si on utilise le tu, la deuxième personne avait à cette personne, je regarde. Non, bah écoutez, ça a l'air d'être bien comme ça. Allez, s'il vous plaît, un petit emoji et puis après, on va changer d'exercice. Ah, je commence à comprendre la technique. Cosmina, c'est toujours des chats. Directement sur le chat, s'il y a quelque chose, c'est toujours la faute des chats, j'ai l'impression. Alors, Stardust qui dit comme ça, oui, donc à la romaine, hein, comme diraient certains. Cheryline qui fait comme ça et comme ça. Ah, il y a des choses intéressantes. Hillary, ah ben là, c'est clair. Hillary, c'est effectivement le sens interdit. La bombe. You're rocking. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une bombe, ça veut dire que c'est non et ça va exploser. Ah, Annabelle qui dit comme ça. D'accord, effectivement, ça c'est une façon de dire stop ou je refuse. Renato, d'accord, très bien. Sophia X, donc c'est comme ça aussi. Yesero, c'est les deux.
Vuslat, c'est le petit personnage mystérieux. Pourquoi? D'accord. Olga, une main aussi comme ça. Bah écoutez, merci beaucoup. Et Victoria, qui... alors Victoria Thomas, c'est... elle a une drôle de tête et elle fait comme ça. Merci. Alors, le dessin du jour, je l'ai trouvé rigolo. Voilà, imaginez ce qu'il dit ou ce qu'elle dit. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme et on ne sait pas ce qui se passe. Dites-moi ce qu'il dit ou ce qu'elle dit. Alors, je regarde et je vois. Alors, attendez, parce que... oui, Sophia qui dit « J'aime bien ce Sido ». Qu'est-ce que c'est un Sido, Sophia ? « J'aime bien ce Sido ». Je n'ai pas compris le dernier mot, excusez-moi. Anne-Vie, Vincent, à l'aide. J'arrive ! Plouf ! Cosmina, c'est une bombe de bain dans une baignoire. Elle dit « Pouf ». C'est possible. Roman qui dit « Pouvez-vous me voir ?» Probablement pas. Hero King, j'ai l'impression de tourner en rond. C'est possible. Hein? Stardust, le vieil homme et la mère. Olga, il dit « Allez, à la lune !» Denora, c'était amusant, mais maintenant, je sais pas. Hilary, nous tournons en rond. R-O-N-D. Julia, c'est peut-être un jour qu'on va s'en essayer. Et laquelle il a perdu. Qu'est-ce que... Ah, vous pensez que c'est un jeu? Ah, peut-être, je ne sais pas. Soukena, qu'on quitte. Yesero, je t'avais dit qu'on aurait tourné à gauche après le pont. Maintenant, on est perdu. Ça, c'est vrai. Hein? Surtout si c'est dans la mer après. Hein? Après, il n'y a plus de pont. Victoria, c'est mon nom, tout est à moi. Ça, c'est pas mal. Yanarte, un bateau à la mer. Yossi, j'ai oublié mes lunettes, pouvez-vous revenir? Ah, ça commence à taper à la porte. Baveshi, attends Nicolas, je finis. Elle me dit au secours. Annabelle qui dit où est mon bikini? Bah oui, avec du soleil. Anas qui dit je m'échappe d'ici. Renato, il faut revenir. Il me manque le gaz. Ah, ou l'essence peut-être. Lynn, c'est le meilleur endroit pour faire de la nage. Sophia qui nous dit Sidou, c'est comme un skidou. Ah, pour l'eau, c'est un bateau qui est très. Oh, merci beaucoup, Sophia. C'est très gentil. Et Luciana qui dit mais qu'est-ce que c'est? C'est dans l'eau ou dans l'espace? C'est pas clair, je m'excuse. Allez, je vais vous demander une toute petite seconde, je vais demander à Nicolas ce qui se passe et je reviens.
Allez, si on reprend, on reprend. Rien de terrible. Monsieur voulait que je lui donne un câble. Imaginez. Allez, trouvez un mot, vous connaissez l'exercice. C'est un exercice assez simple. Mais j'ai décidé de changer un petit peu les règles. Regardez, ça n'est plus une seule lettre, mais c'est deux lettres. S'il vous plaît, trouvez un mot qui commence par IN. Allez-y. Alors, Victoria Jacques est de retour. Ben, moi aussi, j'étais parti pour servir le prince du château, Nicolas, qui voulait un câble. Et c'est Anas qui commence injuste, effectivement. Il y a aussi un inconnu. On peut le mettre au féminin, une inconnue avec un à la fin. Anne-Vie qui dit injuste aussi. Cosmina qui dit inaccessible. Très bien. Luciana qui dit intéressant. Yann Arte, alors intéressant, féminin intéressante. Yann Arte qui dit intelligente. Féminin, donc masculin intelligent. Lynn qui dit un poutin. Qu'est-ce que c'est un poutin? Je ne sais pas ce que c'est. Denora qui nous dit incroyable. Vouslat qui nous dit infligé. Soukania qui nous dit pain. Un pain, effectivement. Sophia X, intéressant, intéressante. Hero King qui nous dit inconcevable. Hilary qui nous dit insensé. Très bien. Renato, intéressant. Roman, intéressant. Interdépartemental. D'accord, c'est intéressant. Victoria, inquiétée. Cassandra, infirmière. Oui, donc ça c'est le féminin, masculin, un infirmier. Ice Cubes qui nous dit incroyable. J'adore ce mot, incroyable. Incroyable. Oui, c'est vrai, hein, Victoria. Victoria qui dit c'est l'un des mots préférés. Mais oui, moi c'est incroyable. Hima qui nous dit un indice. Olga qui nous dit est-ce que c'est insatisfaisant? Je ne sais pas. Yulia qui dit inébranlable. Annabelle qui nous dit intermédiaire. Ah non, c'est de l'anglais, Annabelle. Intermédiaire, ce serait tout à fait correct. Yesero qui nous dit inadmissible. Cassé qui nous dit insupportable. Francis qui nous dit inactive, donc c'est le féminin, inactif, masculin. Olga qui nous dit insuffisant. Sunday qui nous dit inquiète, peut-être, c'est ça. Allez, s'il vous plaît, trouvez-moi un mot qui commence avec ça. S-A. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, je regarde, ça commence, ah, pardon, Lynn qui nous dit un poutin, c'est des frites avec du fromage et une sauce au Québec. Ah, très bien, merci. Ima qui dit savoir, Icomar qui dit la santé, Yossi savoir, Anna savoir, Cosmina qui nous dit satisfaisante, Baveshi qui nous dit savon, masculin, un savon, Victoria Jacques, une saveur, Denora qui nous dit un sanglier, Renato qui dit le sampa, la danse, le sampa, c'est sympa, Baveshi qui nous dit savoir, Hilary Howell, une sauce. Luciana Moribé, Savas. Qu'est-ce que vous voulez dire avec Savas, Luciana? Yann Arte, salut. Roman, satisfait, oui. Annabelle, savoir. Vouslat, sanctionné. Soukania, une salle. Cassé, saveur, oui. Sophia X, sacrifié. Stardust, samedi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors attendez, Chengousse, santé. Julia, salopette, d'accord, oui, on va garder le salopette, hein, parce que l'autre, il est pas très correct. Anne-Vie qui dit sympa, Hero King qui dit sapeur-pompier, le parrain de ma fille,
était sapeur-pompier à Paris, hein, les fameux pompiers de Paris, toujours prêt. Victoria Thomas Saisir, mais il est toujours, enfin, il est toujours le parrain, mais il n'est plus sapeur-pompier. Il est toujours là. Fatima qui nous dit satisfaction. Amla qui nous dit saint. Ice Cubes qui nous dit sacrifice. et Olga qui nous dit saccagé. Merci. Alors, je n'avais pas vu, excusez-moi, Chériline, c'était sanglant, méditator, salut, Cassandra, santé, et Bafeshi, c'était sympathique. Bafeshi, juste un, parce que sinon ça fait beaucoup, beaucoup, d'accord? Juste un mot, s'il vous plaît, parce que comme ça, je pourrais tout lire. Allez, un mot qui commence avec F-O, s'il vous plaît. Alors, on y va. Qu'est-ce que j'ai trouvé la clé du problème? Cosmina, j'ai toujours du mal à trouver mes clés, donc trouver la clé d'un problème, c'est encore plus complexe. Anévi, une fourchette. Yossi, un fond cassé forgé. Denora, formidable. Roman qui nous dit fonctionné, oui. Vouslat, une folie. Ice Cube, the fou. Forêt, Yanarté, peut-être. Baveshi, full. Anas, formidable. Iconard. Baveshi, juste un. Pitié, pitié, juste un. Sinon, c'est pas possible après. Je ne suis pas une machine, je suis un homme. Cosmina, folliculaire. Icomar, forte. Amla, fortune. Sophia X, formidable. Méditator, fondu, féminin. Luciana, fromage, masculin. La foule, nous dit Soukena. Allez, Victoria Jacques, formidable. Oui. Formidable et incroyable. Ah, c'est des mots en able, hein, c'est chouette. Yulia, un fondant au chocolat, délicieux, délicieux. Lynn fonctionne. Olga qui nous dit forgé. Amla qui nous dit forgé aussi. Yesero qui nous dit fort. Alors ça peut être physique, mais ça peut être aussi moral, hein, ou psychologiquement si vous préférez. Hillary fondu. Et Hillary doit nous quitter. Au revoir Hillary. Pensez à la fondue. Fondue au chocolat, fondue bourguignonne, fondue savoyarde. Tout ce qu'on peut fondre, c'est délicieux. Annabelle, fournir. Est-ce que c'est fournir? Hero King, forain. Renato, foncé. Garage Dancer, foudre. Très bien. Merci beaucoup en tout cas. Allez, la dictée de nombres, c'est un grand classique que nous devons faire et on commence bien sûr avec un chiffre. Comme c'est le niveau avancé, je ne vais les lire qu'une seule fois et on va les faire assez rapidement. C'est une formalité normalement. 7. Alors, d'accord, là, il n'y a pas de problème. On est d'accord qu'on va les faire assez rapidement, puisque normalement, ça devrait être assez facile. On attaque avec le deuxième, et le deuxième, bien sûr, c'est deux chiffres. 52. We'll be right back.
Alors, effectivement, pas de problème. Hein. 52, 5 et 2, tout est clair, tout est clair. Troisième, trois chiffres, et là c'est pareil, on va faire ça très rapidement. 704. Ice Cube qui dit tout le monde est très rapide ici. Ah ben Ice Cube, là on est venu pour faire les nombres. On n'est pas venu là pour enfiler des perles comme on dit. Donc on est efficace. Incroyable ce jeune homme. Alors, 704, on l'a fait. Excusez-moi, c'était Nicolas. Je crois qu'on va, se quitter après cet exercice parce que monsieur doit avoir faim. Allez, 4 chiffres, 4 chiffres. Je vais le lire comme d'habitude une seule fois. 3718. Allez-y. Ah mais c'est pas grave, Julia, je voulais pas couper le son, hein, mais c'est incroyable, il est incroyable. Alors, 3718, oui Francis, vous étiez un petit peu trop généreux, ça n'était pas 3719, c'était 3718. Allez, numéro 5, 5 chiffres, on y va, 91284. Allez, Stardust nous quitte. Au revoir et à demain. Passez une bonne soirée, passez une bonne journée. Au revoir. Donc c'était 91 284, effectivement, 9, 1, 2, 8, 4. S'il continue, je vais lui dire de rentrer. Tu veux rentrer, Nicolas? Tu veux dire bonjour aux gens? Ok, je finis les nombres et après je suis à toi, jeune homme. Allez, on continue. 6 chiffres maintenant. 6 chiffres, voilà. 981 400. 25. Allez-y. Alors, effectivement, 981 425, 9, 8, 1, 4, 2, 5. Pour l'instant, c'est parfait, c'est bien. Attention, Lynn, vous avez manqué le premier. Hein. Et on va finir avec celui-là, parce que, comme vous avez vu, le jeune homme est très impatient ce soir. On y va. 4 700. 41 826. Je vais le répéter. 4 741 826.
Alors oui, Monival, vous arrivez un petit peu en retard parce que ça fait 2 heures que nous avons commencé le cours et nous allons le finir parce que Nicolas a faim. Allez, regardons ça ensemble. Donc 4 millions, bah écoutez, ça normalement ça n'est pas problématique. 741 000, 741, et finalement 826, 8, 2, 6. Victoria Jacques, j'ai faim aussi. Ah mais je peux pas préparer pour vous. Il faut se déplacer. Si vous voulez venir manger ici, il faut se déplacer. Je n'emporte pas les choses. Non. Mon tigre est ici et il faut que je nourrisse le tigre. Je vous remercie beaucoup en tout cas. C'était très très sympathique. On est obligé de terminer parce que, eh bien, quand on est papa, on doit nourrir ses enfants. Merci beaucoup. Au revoir et à demain.